Salut, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci énormément à vous qui suivez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez fait un tour ici, je vous en prie, abonnez-vous. C'est très simple. Cliquez sur le petit bouton rouge et voilà, vous faites partie des abonnés. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite liste de laits qui sont super, super éclaircissants. À la base, il faut retenir que personnellement, je ne suis pas trop... je n'approuve pas le fait de se décaper la peau, mais... chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, pourquoi je vous présente ces laits-ci? Il se peut que vous puissiez tomber sur un lait de ce genre qui est super éclaircissant. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de le tester. Il faut toujours tester un nouveau produit que vous n'avez jamais utilisé. Alors, comment est-ce qu'il faut le tester? Eh bien, il faut l'appliquer sur une petite partie de votre corps. Si vous allez l'utiliser au visage, eh bien, appliquez sur une petite partie de votre visage pendant même 2 à 3 jours et après essayez de voir ce que ça donne. Et après aussi, il faut retenir que les laits qui sont super éclaircissants, c'est conseillé de les utiliser que le soir pour éviter les dégâts du soleil. Alors, comment l'utiliser pour vous qui êtes intéressé de clarifier tout simplement votre teint? C'est possible de clarifier aussi le teint avec des produits qui sont super éclaircissants. Il y a des gens aussi, il faut retenir, qui ont des teints un peu clairs, qui ont des teints naturellement clarifiés, mais dû aux intempéries, l'environnement, beaucoup des choses, et ben leur teint est devenu terne. Et ben il y a plusieurs façons de réveiller votre teint naturel clarifié. Il y a plusieurs raisons. Donc, la nutrition, beaucoup des choses, mais moi, aujourd'hui, je suis focalisée plus sur les produits cosmétiques qu'on peut utiliser pour clarifier notre teint. Alors, si vous tombez sur un lait qui est super éclaircissant, comme ce lait que vous voyez défiler, eh ben, je vous conseillerais de tester, comme je l'ai dit au départ, et secondo, de mélanger ça avec un lait qui n'est pas éclaircissant, qui n'a pas d'actif éclaircissant. Donc, vous pouvez prendre un lait qui est super hydratant. Vous prenez les petites quantités de part et d'autre pour ne pas que, au cas où ça marche pas, que vous puissiez tout gâter. Donc, vous mélangez très bien. Et quand vous faites le mélange, rassurez-vous que le mélange est homogène. Parce qu'après, vous pouvez mélanger et qu'il y a une partie qui ne s'est pas bien mélangée. Si vous appliquez sur votre peau, eh ben, vous aurez deux teintes. Il y a des endroits qui sont clairs et d'autres qui ne sont pas vraiment clairs. Donc, vous pouvez prendre un fouet pour bien mélanger. Il y a même des appareils électriques pour les mélanges de produits cosmétiques. Vous pouvez chercher ça en ligne. Et bien voilà, vous mélangez très bien. Après, vous faites un test. Donc, pendant même 3 jours, vous essayez de voir ce que ça donne. Ben, si ça vous plaît, et ben, vous pouvez là, vous pouvez maintenant appliquer sur tout votre visage. Donc voilà. Donc, ces laits que vous voyez défiler ici, c'est des laits qui sont super, super éclaircissants. Alors, si vous avez déjà utilisé l'un des laits, postez votre commentaire. Votre avis compte, c'est une chaîne de partage. Merci énormément d'avoir suivi ma vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a intéressé. Likez si ça ne vous a pas intéressé, ce n'est pas grave. Il y aura une vidéo sûrement sur ma chaîne qui va vous intéresser.